c'est mon troisième roman. Le premier que je publie chez Fleuve. Et c'est une sorte de thriller contemporain, mais qui est plus qu'un thriller, je pense. Ça dépasse le genre. Et qui raconte donc l'histoire d'un professeur d'université, un professeur d'histoire, qui réétudie le fait divers qui a marqué son enfance avec ses yeux d'adulte pour s'extirper du traumatisme et de la peur qui lui pourrissent la vie depuis. Et qui, au fur et à mesure qu'il va redécouvrir ce fait divers, va soulever des pans entiers d'histoire qu'il ne connaissait pas et également des pans de sa vie. C'est l'un des débats du livre, la différence entre la mémoire et l'histoire. Parce que voilà, lui, il se rend compte que ce qu'il a, c'est enfin ce que sa communauté avait, c'est une mémoire collective ou individuelle de l'affaire, et qu'il y a des sources beaucoup plus fiables. La mémoire se construit, il a construit la sienne, il va la déconstruire pour la reconstruire et s'orienter davantage vers quelque chose de plus réel, de plus vrai. Moi, je suis historien, donc déjà, je ne suis pas allé chercher bien loin. Ça se passe dans ma région, là non plus, je ne suis pas allé chercher bien loin. Des années où j'ai vécu, donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont corrélées. L'histoire en elle-même, je ne me rappelle plus vraiment, ça m'est tombé dessus comme ça un après-midi, devant mon bureau, et puis j'ai commencé à écrire. Je l'ai écrit, j'ai mis 9 mois, mais vraiment, ça a coulé, quoi. C'était... Ça, je ne suis pas allé en force, tout est inventé, il n'y a rien de réel dans le fait divers en question. Mais voilà, j'avais des choses à mettre, ouais, des choses à dire. Et donc c'est vrai que ouais, c'est une écriture qui m'a beaucoup marqué, quoi. Quand j'en suis sorti, j'étais assez vidé. J'ai mis du temps à reprendre après, mais voilà, quoi. Mais mes deux précédents livres, c'était des polars historiques, qui se passaient dans les années 1920. Des romans énigmes, et qui me bloquaient un peu à la fois sur l'énigme, parce que tout a déjà été fait, donc sur l'énigme il faut... Puis sur les recherches historiques où je prenais... j'avais plus de liberté du tout. Donc c'est pour ça que j'ai voulu rompre un petit peu avec ça, quoi. Tout en gardant quand même l'aspect historique, mais c'est très différent des deux romans que j'ai fait précédemment, quoi.